De retour YouTube, on va avoir une petite intervention puisque on a un sprinter noir, je vais vous montrer ça. Un sprinter noir qui a arrêté dans la descente de la Trinité. Personne ne bouge pas depuis un petit bout de temps, donc on va aller checker ça. Alors savoir qu'en parallèle il y a des travaux chez moi, donc je suis désolé si vous entendez des petits coups de marteau. Mais c'est normal. Donc on va aller checker pour le monsieur. Donc pour ERI 1, je pars au niveau du sprinter noir, vous ferez gaffe, il y a les SP qui arrivent en provenance Trinité. Putain, les SP ils vont vite hein. Ils vont bien vite les gars. On va mettre les petits gyros. Puis on va aller checker un petit peu ce qui se passe pour ce sprinter noir, éventuellement abandonné, etc. On n'en sait pas plus. Donc on va bien voir. Information vers l'IA, je vois un individu à pied qui est en train de rouler dans la Trinité. Tu peux réitérer un individu à pied? Ouais, il est à pied, j'ai vu au niveau de la grande tour, c'est qu'elle était posée au niveau du stade. Ouais, mais c'est possible parce qu'en fait son véhicule est accidenté pour le sprinter noir. Donc je vais faire un relevé de plaque et puis on va voir, à mon avis, il devrait tomber sur le barrage s'il arrive à réparer sa voiture. Ok, c'est reçu. Bonjour. Vous allez bien? Okay. Ouais, ça va. Bon, apparemment le monsieur est reparti sur la Trinité prendre une roue de secours. Je prends juste la plaque. Ouais, il est parti à pied aller chercher une roue. Pas de problème. Donc si vous voulez bien vous mettre en sécurité juste derrière lui le temps qu'il revienne. Pas de soucis, je vais juste faire demi-tour. Yes, parfait. Je vais rester à proximité, je pense, avec vous quand même, parce que oui, monsieur n'a pas de triangle de sécurité et c'est quand même un peu dangereux en descente, quoi. Donc je vais mettre devant, on inverse juste les places des voitures. CRS de R1 sur privé. Ouais, donc pour sprinter rouge, donc le véhicule est accidenté. Par contre, il n'y a pas de triangle de sécurité qui prévient de son arrêt sur le bas-côté. Donc j'attends le propriétaire avec un agent de sécu et je fais vérification et éventuellement verbalisation. Ok, c'est reçu. Donc il y a pas mal de mouvements sur le barrage. Hein, on en a attendu 10 minutes hein, de coupure vidéo. Messieurs, vous avez fait appel à une DP ou pas? Regardez voir si la dépanneuse elle a le temps de prendre en charge le T5. Celle qui vient de passer le barrage direction Trinité? Non, on a une dépanneuse sur notre barre. Ok, attention. Ouais, ça marche, je regarde ça avec. Peut-être un excès de vitesse là. Ah, on a peut-être un truc. RIR1 sur privé de service. Transmet. Ouais, pas en convention, on a dit pas trop descendre vers vous. L'individu, vous pouvez réitérer? Redescend vers moi? Ouais, l'individu que j'ai croisé tout à l'heure, on descend vers moi. Ouais, ok, c'est bien reçu, il est au niveau de la tour? Négatif, il est au l'arbre légèrement au-dessus de vous. Ouais, ok, je vois. On va aller voir le monsieur. Bon, le dépanneur est dispo ou pas? En fait, c'est dispo. Bonjour monsieur! Bonjour! C'est votre véhicule, il est accidenté? Oui. D'accord. Monsieur, vous savez que quand on est accidenté, on doit mettre un triangle de sécurité à 25 mètres derrière son véhicule? Oui, j'ai oublié. Vous en avez un à me présenter? Oui, j'en ai un. Ah bah monsieur, si vous en avez un, faut le placer. Oscar de Delta. Bon, d'accord. Transmettez. Ouais, Delta indisponible, on se rend au commissariat avec un individu interpellé. C'est un peu tard, monsieur, mais bon. On va faire un... Comment ? Parti chercher de l'argent. Bah je sais bien monsieur, mais avant de partir il faut prévenir, vous êtes dans une descente, etc. Ici c'est limité à 130. Bon, venez avec moi s'il vous plaît, vous me présentez permis de conduire, carte grise de votre véhicule, on fait un contrôle. Je suis sympa, je vous verbalise pas. Est-ce que vous avez un gilet jaune par contre ? Je viens de le mettre. Voilà, vous alliez le mettre aussi. Bah monsieur, si vous avez du matériel, autant l'utiliser quoi. Parce que bon. Vous pouvez me le présenter votre gilet jaune s'il vous plaît ? Il est sur moi. Ah, il est sur vous là, pardon. Bah, je vous mets par terre. Ouais, ok, bon, très bien. Bon, du coup, je laisse me présenter au papier, s'il vous plaît. Et puis, Monsieur Filake, très bien. On sait bien ce que j'ai vu sur votre plaque.
Très bien. On va regarder juste votre véhicule au niveau de l'assurance et puis après. Bonjour. Bon, le monsieur, il est allé chercher une roue de secours à la Trinité. Ah ouais, mais bon, pourquoi il est allé chercher ça sans que c'est moins cher? Alors, je vous demande pas de monter, de mettre dans un véhicule, et puis je vous envoie des publics, des calçons disponibles. Mais pourquoi vous êtes allé chercher de l'argent, monsieur? Il avait pas Ah, pour payer. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok, j'ai mal compris. Bon, bah, c'est bon pour moi, monsieur Filet, que tout est en règle, la pastille de l'assurance, c'est ok. Donc, je vous laisse repartir, mais par contre, prochaine fois que vous tombez en panne, ce serait bien d'utiliser votre matériel pour prévenir et éviter le suraccident, ok? D'accord. Allez, très bien. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée, bon courage. Au revoir. Ah, nickel, il y a la dire de sortie et tout. Franchement, il y a du monde sur le serveur, chacun fait son métier. Chacun fait son taf, c'est cool. On va retourner sur les collègues. Transmettez. En fait, le. Ouais, le barrage CRS, on le voit quand même. Hein. Pas les fonds nécessaires, du coup, on le voit bien quand même. Attention à la voiture bleue. S'il y a un refus d'obtempérer ou pas. On va voir. Donc, pour CRS de Erien sur privé, je reviens sur vous. L'individu vient de. De revenir à son véhicule et le répare. Putain, mais j'étais encore mute quoi. Donc pour CRS de Erien sur privé, je reviens sur vous. L'individu était des dépanneurs pour voir avec son véhicule. Ok, c'est reçu. C'est arrêté la voiture bleue? Ouais, nickel. En fait, si, il est quand même plutôt visible de loin le barrage. Relativement. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre en petit contrôle vitesse au niveau de Houdan? Okay, Oscar, bravo. On va tenter ça. On va tenter ça. Passer au milieu, je vais attendre que les collègues retirent l'arrière, ça. Transmettez. Pour vous informer comme quoi on a pris départ pour la prison. C'est bien reçu. Donc soyez vigilants au carrefour de Le Port, carrefour toujours fermé sur un AVP. Yoré, c'est bien pris, merci. Pour CRS sur privé, la voie du milieu, c'est ok? Charlie, Akin. Transmettez. Reçu. Je vais essayer d'avoir PAF du coup pour nous escorter pour avoir une vue aérienne, s'il vous plaît. Et c'est suivi pour PAF. Le message arrête. Putain, y'a trop de transmission. Bien reçu sur vous dans. Ça, c'est la sécurité. Ouais, y'aura la dire des panneurs. Bien reçu, on vous attend, merci. Information, pas fait Charlie, vous avez autorisation de contact direct. Bien reçu. Bon, pour Erien, je mets un petit peu en contrebas flash vitesse sur Houdan. Départ. On va faire ça. J'ai jamais testé ce contrôle là. On va flasher que dans un sens, on voit ce que ça donne. Puis comme ça on est à proximité quoi. Une coupure s'il faut. Courant en métropole. Ouais, c'est bien reçu. Vous dites que si c'est reprend son service, qu'il m'envoie un message pour que je le fasse rapatrier. Pas de soucis, il reprend son service. Hein. C'est bien. C'est pas mal ce petit spot. Pensez quoi, YouTube? Flash que d'un seul côté, mais bon. Je trouve ça. Par contre, si vous pouvez m'appeler un dépanneur en. On est relativement planqué. Ah bah, il y en a un dépanneur là. C'est bien. Et comme ça, ça nous permet d'intervenir plutôt rapidement sur le contrôle de CRS. Donc c'est pas trop mal. C'est plutôt sympathique, dirons-nous. En tout cas, moi je suis très content de mener cette opération avec patrouille CRS parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu de barrage, etc. Dernière fois que je suis intervenu sur un barrage, c'était avec sur Metropolis. À l'époque, il y avait le capitaine Viper qui était là avec avec le policier Owen Sullivan, qui n'est plus dans la police à l'heure actuelle. C'est reçu, merci. Oh, se sent pas ce petit spot, parce que on n'est pas du tout visible. Hein. En tout cas, le gars quand il nous voit, moi je l'ai déjà flashé puisque il va être à ce niveau-là. Avec CRS. Je trouvais accordé. Non, bon. CRS de Delta. Ouais, le véhicule a été transporté au QG Red, correct. Négatif, le dépanneur devait venir transporter le véhicule, hein, défaut de permis polo. Le dépanneur qui est venu pour dépanner, du coup, il a pas de permis polo. Donc, bon, c'est un peu problématique pour un dépanneur qui conduit une dépanneuse, quoi. Il faut reprendre un dépanneur.
d'être carré sur nous pour le rendre pour projeter 5 et puis pour reprendre la vie. C'est reçu. Oh, c'est pas trop mal, franchement, je te planque. Mais après, le défaut entre guillemets des barrages qu'on va voir, c'est qu'au début, il va y avoir pas mal de monde parce que ça va surprendre. Mais au bout d'un moment, il y a de plus en plus de gens qui passent. Il y a des gens qui disent à d'autres gens qu'il y a des CRS et que du coup, ils vont pas passer par là. Et au fur et à mesure, eh bien, on n'a plus beaucoup de monde sur le barrage parce que tout le monde sait, entre grandes guillemets, qu'il y a, il y a un contrôle ici. Mais bon, ça reste quand même plutôt sympa. Là, ça fait bien 45 minutes qu'on est en place avec ce petit dispositif. Et vous voyez que déjà, on a quand même moins de monde, quoi. On a moins de monde, après, on n'a pas non plus personne. Mais bon, ces dispositifs CRS, c'est très dur de faire des barrages qui sont, entre guillemets, volants, puisque le temps que ça prend pour faire un barrage comme ça, réfléchir au positionnement des barrières, aux aires de stockage des véhicules, aux aires éventuellement à placer... À une voie de secours, j'ai écouté la transmission de vapeur. À une voie de secours pour les véhicules d'urgence, etc. Pour information, capitaine, donc ça prend beaucoup de temps à élaborer. Et donc, si on sweep au final toutes les 30 minutes, bah, on va mettre 20 minutes à installer et 30 minutes de contrôle. Donc, pour le coup, c'est pas top. Pourquoi je peux pas le lâcher, le copain là? C'est me dit pas que c'est à cause des caténaires électriques ou je sais pas quoi là. Ah. Ça c'est Lima. Si c'est bon, Lima, j'arrive à le choper. Je reprends un véhicule du commissariat CRS et je rejoins donc mes effectifs. Si c'est bon, Lima, j'arrive bien à les choper. J'ai ceci passé à dire. Oh, bizarre. J'ai ceci passé à dire ou quoi? Ouais, vous pouvez la laisser passer. Pourquoi la dépanneau s'arrête? Bon, et toujours la VP d'Oscar ici. Accident grave, route barrée. C'est tous les SP en fait qui sont passés un petit peu en défilé. Au niveau du barrage CRS qui sont partis donc pour intervenir sur cet accident qui impliquait une patrouille de police et apparemment un autre véhicule d'après ce que j'ai compris. Il n'y avait pas qui était sur zone et on a personne par contre du côté ouest de l'île, donc ça peut être quelque chose d'assez dérangeant. Mais d'un autre côté on a toutes les patrouilles qui sont en contrôle Toto ou en intervention, donc on a aucune patrouille qui patrouille entre guillemets à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a une répartition qui est totalement homogène sur la droite de l'île et qui devrait être plus hétérogène pour le coup afin d'avoir une meilleure couverture et des vitesses d'intervention réduites. Enfin, des vitesses d'intervention accrues mais des temps d'intervention réduits. Alors est-ce que la dire je vais pouvoir le choper lui? Alors je pense qu'il m'a vu hein, parce que clairement là je suis cramé de ceux qui viennent de l'autre côté mais... Là le but c'était de concilier un petit peu. Donc, je décroche après votre arrivée. Mais lui j'arrive pas à le choper là avec sa Ford W3 là, c'est pas normal. Bah j'arrivais pas à le choper avec sa truc. Regardez. Ah bah non quoique j'arrive pas non plus. Oh, c'est embêtant. C'est embêtant pour un contrôle vitesse si on peut pas flasher. C'est relativement embêtant, me direz-vous. Pour le coup, tout le monde roule bien. Ah. Se rend kikiné ou quoi? Je crois qu'il faisait demi-tour. Pour CRS de R1, vous avez du monde qui arrive depuis Oudan. R1, c'est reçu pour information, je suis en train de contrôler moi aussi des pelles. Il fait demi-tour, mais c'est pas bien grave. Ah, ça vient pour nous par contre. Lui, s'il fait demi-tour, on va l'interpeller par contre. Ouais, là il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc qui est pas net, j'ai peur que le gars lui ait dit qu'il y avait un contrôle de police. Allez checker ça. Ouais, il a pris le chemin de terre. Il y a un truc qui est pas net ici. Bonjour monsieur.
Je veux savoir ce que vous a dit la personne avec qui vous parliez. Celle en caleçon là? Oui. Je la connais ou quoi? Bah je sais pas monsieur, vous alliez dans l'autre direction et vous avez fait demi-tour. Ouais, j'ai un individu qui a été dans l'urgence sur les elle aussi. Ah d'accord. Vous allez dans quelle direction là monsieur? Vous avez déjà passé? Oui. D'accord. Bon écoutez, y a pas grand monde là, vous pouvez y aller, hein, vous inquiétez pas. Y'a pas de soucis. Allez, bonne journée. Journée. Bon, c'est clean. En fait, le gars, il est déjà passé dans le contrôle, c'est la voiture bleue qu'on a vue en arrivant. Là, il y a les collègues. Putain, j'ai cru qu'il s'était planté. Non, bah c'est clean pour le gars. SP. Ça a l'air. Par contre, du coup, j'ai pas pu flécher sa voiture. Ah si, c'est bon, je l'avais bien. SP qui arrive depuis... pardon. Ok, non, rien à voir, c'est vous. Je crois que c'était l'SP, c'était les collègues. Du coup, on va se remettre sur le petit chemin de terre. Tout se passe bien, du coup, sur votre barrage? Ouais, puis tout se passe bien. Okay. Pour l'instant, c'est nickel. On interpelle... là, il y a un mec qui a détenu une ambulancier sur lui dans son véhicule, alors qu'il est encore en service. Il y a la drogue et des armes. Bon, ça va, c'est la fête. Et... En fait, il y a tout le monde qui décide d'obtempérer et de se dire, bon, bah tant pis, j'ai été pris. Ah, ouais. Personne qui fuit, quoi. Et là, pour l'instant, c'est tranquille. Oh, ouais. Bon, du coup, ça m'embête parce que j'ai l'impression de pas pouvoir flasher les gars à cause des poteaux électriques. Donc, en formation, voyage Sanchez de retour sur le barrage, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un petit peu problématique cette histoire. Alors, après, c'est peut-être possible que ce soit dû à cause de la voiture en fait. Je sais pas trop. Bon, restez quand même dessus. Au passage, vous avez les nouveaux horaires de reboot. Enfin, ça fait un petit bouton qui sont là en bas à gauche. Minuit, 6h, 11h, 15h, 20h. Donc, si ça vous intéresse, savoir un petit peu les tempêtes de l'île. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Donc écoutez, c'est... Ah. Je confirme SP qui arrive depuis Oudan, ça remonte sur vous. Et c'est reçu. C'est le commissaire adjoint Gavard qui est à l'intérieur, je pense. On est en contrôle total au commissariat raid avec un deuxième individu. Ça doit pas être Gavard dans la civière. Par contre, c'est peut-être le gardien ou le brigadier qui est à l'arrière et le gardien qui accompagne. Donc, vite lui. Ah non, c'est les collègues, c'est Alpha. T'engages pas. Star de Charlie. Votre véhicule d'urgence au cas où. Transmettez. Donc, pour information, fin de contrôle total, on a envoyé l'individu en prison dans la remise en service de la patrouille Charlie. Encore, bah, c'est le défilé. C'est le défilé. Merci. Du coup, est-ce que j'arrive à le flasher? Putain, si c'est bon, je l'ai eu. Pas évident. C'est pas évident. Lui, par contre, j'aime pas, il me regarde, lui. J'aime pas trop. Ouais, donc PAF indisponible pendant quelques minutes, le temps d'un ravitaillement, il pas de PAF. C'est reçu. C'est calme de l'autre côté, RI aussi? Ouais, pour RI et RAS, tout se passe bien. Même pas avec ses vitesses. Non, mais en fait, il y a un gars qui est déshabillé au niveau des maisons en entrée d'Oudan. Donc, je guette un petit peu à ce qu'ils préviennent pas d'un barrage CRS, etc. Donc, mais pour l'instant, c'est calme. Ok. Bon, bah. Ça roule tranquille. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Ouais, bah après, ça fait maintenant une petite heure que le barrage est en place. Tout le monde commence un peu à être au courant, etc. Donc. Yes, c'est possible. C'est les SP qui reviennent de l'intervention, du coup, ici. Qui a pas l'air totalement terminé pour le coup. Oscar, pour la dépanneuse qui reste ici, je suis inspecteur. Regardez lui qui me regarde là. Il stresse. Il me stresse, je sais pas ce qu'il veut. Ouais,
Ouais, justement, mais c'est pour ça que j'avais dit que j'avais communiqué à Oscar pour demander si je pouvais communiquer son direct avec l'État. Encore les SP, t'as un 77, ça va les gars, là, c'est la 86. Transmettez. Ouais, 94, les gars, je suis désolé, je suis pas d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous ? Oui, ce serait bien de lever le pied un petit peu quand même si vous êtes pas en inter au Goudan. 94. Ça a fait beaucoup quand même. Ouais, ce serait cool. Bon après, je vous verbalise pas, etc. Mais bon, quand on n'est pas en inter, on est sur le même pied d'égalité vis-à-vis des autres citoyens de l'île. Bon, allez. Bon courage. Bonne journée. De même. Je pense que c'est les nouveaux SP parce que je crois qu'il y avait une FIA, etc. En tout cas, j'ai pas reconnu de voix. Mais bon. Ah. Refus par refus, il rentre dedans, il rentre pas dedans. J'ai l'impression qu'il rentre dedans. Par contre, je sais pas ce qu'il nous a fait, la VL des pompiers là. Je crois que c'était pris d'ailleurs des collègues. Les dépanneurs ont interdiction apparemment de remorquer d'autres dépanneuses, donc à voir comment on s'occupe. Destruction directe sur place. Hop. Donc ouais, non, les pompiers, bon, généralement ils respectent, mais bon. Place. Je dis rien pour les petits excès de vitesse, mais 94 quand même, ça commence à faire beaucoup en ville, quoi. Ça fait beaucoup. Donc bon, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Et puis c'est pas méchant puisque je les verbalise pas, les gars, mais... Mais bon. Il a roulé un peu vite lui aussi, non? Non, c'est bon en fait. 40. Oscar, pour toute l'unité, pour votre formation, c'est désormais la patrouille de Oscar qui a comme toute communication directe de Oscar. C'est vérifié pour toutes les patrouilles. Ça suffit pour moi. Ça suffit pour ça. 58. 60. 63. 71. 75. Ouais, allez, on va rien dire. On va rien dire. Il est encore là, lui. Incroyable. En tout cas, il y a du passage dans le coin. Franchement, c'est nice. On va prendre une petite photo, d'ailleurs. Petite photo. Alors, comment je pourrais la faire, cette photo? Je vais me prendre en train de... Ouais, mais... Cela, ça déforme la photo. C'est pas cool. Donc, pour information, on va... C'est ce qu'on va faire pour la photo. Non, pas ça que je voulais faire. SP, ça roule tranquille là aussi. Bon, ça roule déjà mieux, 63. Hop, on va prendre un petit radar. Faire la miniature comme ça. Par contre, j'ai mis le truc dans la voiture. C'est pas tip top. Hop, prendre le radar. Mets-le un peu plus comme ça, copain. Ok, il n'y a pas de voiture. Boum, boum, boum. Ah, voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Avec la petite fougère, on va attendre que le en haut à droite radar vitesse du véhicule s'enlève. Et puis ce sera pas trop mal. Hop. Vuela. Vuela, vuela. Je vais le reprendre. Hop. Parfait. C'est quoi ça? C'est les collègues, Delta. Anciennement Lima, si vous avez suivi un petit peu les communications. Attention lui. Sécurité là. Et il arrivait comme une balle, le gars il a bien freiné quand même, hein, parce que... C'est quoi comme voiture ça? Oh, le petit Q7 de Capulet. Enfin non, pardon, de Warfifu, donc Adriano Scaletta. Il nous a fait ce petit Q7 qui est vraiment très très joli. Yep. Qui était dispo en raid et qui est maintenant dispo en sécurité publique avec le skin de la police nationale. Très sympa. Sécurité. Bon, ça roule pas trop mal.
Ça roule pas trop mal, RAS, on n'a pas de braquage. Donc ça permet des dispositifs comme ça. Et puis en fait, ça me fait plaisir parce que vous me l'avez demandé aussi, ce dispositif de faire un barrage CRS avec une assistance ERI, etc. Ça pourrait être grave stylé. Et bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, bon, ça fait quand même un peu plus d'une heure que le barrage est en place. Et moi, une heure que je vous fais des vidéos. Et pour l'instant, RAS. Mais bon, c'est quand même relativement stylé. Et je pense que ça vous fait plaisir. Petit collègue qui passe actuellement à côté. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Et je pense que c'est Charlie, ça, avec Capulet et Lefebvre dans le Q7. Je pense bien. Je suis pas sûr, mais je pense bien. Il se passe quoi par là? Parce qu'il y en a plein qui tournent ici, mais... No c'est. Ouais, là vous allez avoir du monde qui arrive de ou dans 2-3 dépanneuses. Pour mise en service de la patrouille, il n'y a pas d'effectif, un véhicule type RSS. Ah. Oh là là. Tout le monde roule nickel, c'est pas possible. Et lui, il est encore là. Non, mais je vous jure, il a un problème avec moi. C'est pas possible. Ouais, 90, 101. Allez. Ce sera 101 plus contrôle total de la part des collègues. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon, je vous ai flashé à la vitesse de 101 km/h en ville. Vous avez un petit peu appuyé sur le champignon là, monsieur? Ah oui. Ouais. Ah oui, j'ai de redémarrer là, accélération. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire l'objet d'un contrôle au niveau de mes collègues, d'accord, sur le barrage, et puis ils vous verbaliseront pour l'infraction. D'accord. Cependant, monsieur, je vais être sympa, je vais vous faire une vitesse retenue à 91 km/h. Ça fait que vous gardez votre permis de conduire. Ah merci. Et votre véhicule, d'accord? Sinon, c'est directement suspension du permis de conduire, confiscation de véhicule. Donc bon. Étant donné que vous êtes sur un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Voilà ce que dit le code pénal. C'est sympa, je vous fais une vitesse retenue à 91, du coup, vous payez une amende et puis vous repartez si vous êtes tout en règle. Ok ? D'accord. Je vous accompagne au barrage et puis mes collègues font le contrôle. Okay. Information sur le camarade de l'OSP. Oscar, d'accord. Je suis revenu voir Action Chess parce que je crois qu'il n'est pas sur notre privé ou alors je l'entends. Oscar, écoute, je suis là. Je vais contacter les dépanneurs pour un véhicule abandonné et cassé, s'il vous plaît. Autorisation accordée, vous pouvez y aller. Merci. Je reprends les radios et le USB. Hein. Ouais, donc pour CRS de R1, je vous amène un Taoué noir là. Actuellement, le gars flashé à 91 dans Oudan. Donc je laisserai faire le contrôle et appliquer l'amende. Très bien, je transmets ça au capitaine. Pas de soucis, c'est reçu. Pour ce qui est véhicule, police à pompier, VRI, vous avez autorisation à passer au milieu au cas où. Ouais, je sais bien, mais là je vais vous le dire en de vive voix pour le monsieur, ce sera plus simple. Ça va être un peu le bazar là. Ouais, j'en sois. Ouais, vitesse transmise au capitaine. Hein. Ok, donc c'est tout bon, je peux retourner sur le contrôle? Ouais, 91 après 50, c'est bon. Ok. Bon monsieur, mes collègues ont reçu l'information pour l'excès de vitesse, d'accord ? D'accord. Donc ils vont vous notifier ça et effectuer un contrôle directement de votre véhicule et de vos effets personnels. Ça marche ? Très bien. Allez, bonne journée, levez le pied. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Je suis content, on a eu notre premier excès de vitesse, c'est plutôt cool. Bon, il a pas appuyé tant que ça, puisque au final on l'a eu à 101, on aurait pu l'avoir encore plus. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Un ambulancier qui se promène. On va faire gaffe si elle fait pas demi-tour. Non. Bon, le dispositif franchement fonctionne très très bien. Si je crois que c'est un crash cerveau. Et bonne journée. À bonjour. Bonne journée. Je pense qu'il est en crash cerveau lui qui va reprendre ça. C'est dépanneuse. Possible d'appeler une dépanneuse EP par un véhicule qui apparemment ne dépasse pas les 20 km/h s'il vous plaît.
Oui, affirmative, vous pouvez contacter les dépannages. Je pense bien. Merci. Oscar Alpha. Je pense aussi que Viper est en fin de service au passage. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici. Parce que les gars sont plus que deux sur le barrage et ça peut vite dégénérer. Quand t'es 4, ça on impose. Quand t'es 2, s'il y en a un qui est impliqué dans un contrôle, l'autre il faut qu'il retire la herse. Ça peut partir en cacahuète. On vous avez vu le panneau qui est passé en bas là, halte police. CRS de R1 surprise. Viper, il est en fin de service. Ok, c'est reçu. Bon bah du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que vous êtes plus deux, je vais rester à proximité de votre barrage si jamais ça dégénère. Bonne journée. À la prochaine. Pas de soucis, on peut rester à cette distance-là, c'est correct. Bonne journée, bonne fin de service. Bonne journée. Donc en fait, dans le dépanneur. Je sais pas où il court, mais il va loin. Il va loin, il va loin. Donc moi, je vais rester là, du coup, tranquillement, pour pouvoir intervenir sur les collègues. C'est également une fin de service du brigade dissipateur. S'il y a besoin. Et c'est une mise en service de l'actualisation centrale. Donc actuellement, c'est pas ça. Directe, ça va se faire avec centrale. C'est reçu pour toutes les unités. Suivi pour le fin. Bien suivi pour patrouille aérien. C'est nice là, une petite centrale, ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. Paf de centrale. Ah. Rip Mike. Il y a un petit brouillard là qui commence à se lever là. Une petite brume légère. 14h quasi pétante. Ouais. Il y a un petit voile qui se lève. Je sais pas si je me mets plus en haut de la colline, on va voir. C'est une fin de service du Major Skeleton lui en sécurité publique. Ouh la merde. Major Skeleton. Bravo. C'est bien reçu. Bref. Pour information, capitaine, sur t'es pêché à 80 km/h en l'état, oui. Oui, si je m'en souviens, merci. Quoique là, je suis peut-être un peu loin pour les collègues. Je suis peut-être un peu loin là. Possible. Quelqu'un tente de s'introduire dans la réserve fédérale. Bah, on a un braquage de banque. Ouais. On va avoir un braquage de banque, donc à mon avis, il va falloir lever. Vous avez pas eu le message, capitaine? Négatif, j'étais en plein contre. Centrale, on a une réserve fédérale. Mais c'était capté, Ouais, c'est bien reçu. Vous regardez s'ils ont besoin de. Enfin, vous regardez s'ils nous appellent. D'accord, donc c'est bien sûr, on passe en Oscar, comme vous l'avez dit auparavant. Négatif, pour rester Delta, je prends le gardien de Prescott ainsi que les brigadiciens de la mort. Ok, on s'est suivi le message de l'alerte de la mort. Ils vont choper l'air. Affirmatif, je suis prêt de vous rendre. Non? À la banque. Ah non. Ouais, c'est suivi en suivant. Moi j'attends les ordres. J'attends les ordres, je ne bouge pas. Suite au braquage, je vous demanderai de vous rendre à la banque nationale. Tiens, par contre, on n'a pas d'alerte pour la banque. C'est bien reçu, il était en train d'effectuer un contrôle total, on libère l'individu en sûr. Ça demi-tour? Non, ça demi-tour pas. Pour information, c'est la centrale. La centrale de CRS. Transmettez. Ouais, si vous avez envie, CRS peut lâcher son contrôle routier pour venir en renfort sur la banque fédérale. D'accord, c'est bien reçu. Il n'y a que l'urgence, semble. Centrale de CRS. Vous voulez pas le départ, je pas. Décollage. Pardon? Non, je crois que vous parlez. Centrale d'Alpha. D'accord, c'est bien reçu. Transmettez Alpha. J'aimerais juste avoir une confirmation. On est d'accord? Tire à vue. Affirmatif, tirez à vue. Faites attention car ils peuvent tirer avec sur vous. Sérieux? Centrale de Delta. Transmettez. Donc on va laisser pas faire un premier passage. Je vais demander à tous les véhicules pour le moment de se rapprocher du commissariat central. On va tous rester en stand-by pour le moment. On va
laisser pas faire un premier passage s'il constate du monde. C'est bon. On fera un petit plan d'attaque et. On a un appel. Tous, un par un. Donc on ira tous en même temps et on va essayer de les avoir s'ils sont sur place. On nous a dit on se rapproche du commissariat central donc. Bon. Pour vous informer comme quoi on est au-dessus de la banque. Il y a un utilitaire pour l'instant dans le dôme. D'accord, j'ai bien reçu pour toutes les patrouilles sur le braquage. Et il nous dit TTRS de couleur grise. Je suis pour Alpha. Je vais prendre les noms. Enfin, les infos. Ça pour communiquer avec Alpha. Je pense que vous pouvez. J'avais l'autorisation de. Alpha de Delta, votre position. Nous nous situons à l'acteur de ciment. Centrale. Ah, c'est bien reçu. Centrale de Airien. Météorie. Souhaitez-vous l'appui de Airien sur l'intervention? Négatif, vu que j'ai une unité déployée, négatif. C'est reçu, donc je reste en. Peut-être vous rapprocher vers la banque si ça part en délit. C'est reçu, vous souhaiteriez un positionnement du côté de Saint-Louis du coup? Affirmatif. C'est reçu, donc je quitte l'assistance barrage CRS et je me rends sur position. Centrale de PAF. Ils ont bloqué la route. Trois véhicules dans le dôme. Un Porsche Macan bleu ciel qui vient d'être vu. Macan. D'accord, c'est tout reçu. J'ai reçu toutes les unités sur le braquage. Suivi pour Alpha. Trois véhicules. Suivi pour Delta, est-ce qu'on peut avoir des points mis sur le GPS? J'ai peur qu'il parte lui avec son. On va le faire. Son X6. Hop, c'est bon. Centrale de Oscar. Transmettez Oscar. Nous sommes au. Je livre, du coup. Après, bon courage. Attendez, je coupe. C'est bien reçu. C'est bien reçu. Donc, Charlie de Centrale pour information, pour monter en Bravo, c'est reçu. Ouais, c'est reçu pour Bravo, du coup. Delta de Centrale. Transmettez. Allez, on est parti. On est parti les gars, YouTube ça vous aura plu, braquage de banque, on est parti, on quitte le contrôle CRS, j'espère que les deux vidéos avec CRS vous auront plu, franchement c'était top, j'ai beaucoup apprécié. Je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.